Eh bien salut tout le monde, c'est Black Paradise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 7 de notre Let's Play sur Fez. Donc on va continuer tout de suite là où on s'était arrêté la dernière fois. C'était ici les amis, on était ici. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode là? Bah j'avais un peu énoncé hein, si vous avez bien suivi le dernier épisode. On va commencer à mener quelques recherches tout simplement. Parce que bah, il nous faut maintenant 32 cubes et donc il va falloir qu'on explore à peu près tout ce qu'on peut. Donc je vous propose d'aller dans une zone qui est laquelle déjà? Je crois que c'est celle-ci hein. Attendez. Voilà, on va aller dans cette zone là et on va aller explorer des endroits qu'on n'a pas encore explorés pour découvrir de nouvelles choses ou bien redécouvrir hein, certains endroits qu'on n'a pas encore bien vu. Alors par contre, moi j'aimerais bien aller juste ici. Voilà, est-ce que c'est possible? Pensez-vous que cela est possible? Oui, c'est possible. Ah mais alors du coup, oui, j'ai pris le mauvais portail. Excusez-moi, je vais vous faire un aller-retour. On continue. Donc on va aller tout en haut, voilà, sur le portail du haut. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Je suis fier. Voilà. Hop. On va aller sur le portail du haut qui se trouve normalement. Hop, voilà, juste là. Et on va se diriger sur les endroits un peu inexplorés de la carte. Je me rappelle d'ailleurs, hein, y a certains endroits où j'ai fait exprès de laisser des cubes. Enfin, j'ai fait exprès. J'ai volontairement laissé des cubes parce que je me suis dit que j'allais pas en avoir besoin au final. Je ne savais pas qu'il fallait tous les cubes, donc bon. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant... Alors voilà, nous, la partie qui... Pour ceux qui ne connaissent toujours pas comment marche le système de map, le système qui clignote, là, c'est nous. Voilà. Et donc, on va devoir... Ah bah, par exemple, on peut aller là. Ouais, très bonne idée. D'accord, donc là, pour aller vers là, non, on va plutôt se diriger vers ici, voilà, vers l'espèce de chute d'eau. Donc pour y aller, hop, on va explorer un petit peu les portes, donc ce n'est pas celle-ci, c'est peut-être celle du haut, donc pour accéder à la porte du haut, voilà, on fait ceci. Je crois que c'était celle-là, non, c'était tout le temps pas celle-ci, donc bon, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais pas, il y a trop de portes, hein, il y en a vraiment trop. Non plus. Ah bah alors c'était vraiment la dernière. On n'aura pas eu de peau. Voilà, on va sauter en bas. Allez hop! Et on va aller juste ici. Oui voilà, c'est celle-ci. Donc maintenant il faut vraiment qu'on remplisse le jeu à 100%. C'est de l'exploration pure. On va explorer le jeu de fond en comble. Toujours dans une ambiance assez détente, hein, je ne me presse tout le temps pas. Est-ce qu'on avait détruit le... Ouais, on avait détruit. Voilà, ce passage-là. Ok, donc bon. Résumons sur la map. Il y a un chemin ici, un chemin là, un chemin là. Il y a des chemins... Alors là, on est juste ici, en fait. Il y a des chemins autour qui ne sont pas encore explorés. Donc, il va falloir qu'on les explore, hein, parce que voilà. Si je pouvais monter, ça m'arrangerait. Voilà, c'est bon. Il va falloir qu'on les explore, et pour cela... Faut trouver une solution. Alors là, on va essayer de trouver des chemins. Je crois qu'en haut, il y avait un chemin en haut en plus. Il n'y a pas d'autre chose à casser ici. Un autre à casser. Je pense qu'il y a un secret là sous le. Déjà, il y a un secret ici là. Déjà, il y a un secret ici. Oh, je suis mort. Est-ce que je pourrais peut-être lancer la bombe? Oh. Est-ce que ça va marcher? Ça m'étonnerait, mais bon. Vous voyez, on avait vu cette espèce de porte qui était juste. Hop, qui était juste là et qu'on n'avait pas encore débloqué. Ouais, ça sert à rien. Il y a vraiment aucun moyen d'y aller. Il y a pourtant un moyen d'y aller, j'en suis sûr. Il y a un moyen d'aller ici. Après, comment, je ne sais pas. Mais bon. Sinon, il y a un hibou juste en haut et je crois qu'on avait une quête avec le hibou. Ah, attendez. Bah, je rêve pas. Il y a une porte juste là. Regardez. Il y a une porte qui est juste derrière là. Alors comment on fait pour y accéder? Il y a forcément quelque chose. Il y a un secret ici les amis. On va le découvrir très vite je l'espère. Ok. Donc non, ça ne sert à rien. Ah merde. Bon. Très bien. Alors faut qu'on monte ici. Et je ne sais pas comment faire. Ah, je suis bloqué. Non c'est bon. Et on peut pas accéder à cette porte là, juste là. Bon bah c'est pas grave. Il y a une porte juste là où on peut pas y accéder, c'est vraiment chiant. Donc bon. On va continuer notre exploration. Mais là, il y a forcément un moyen d'y entrer. Hein.
Mais là pareil, regardez. On le voit très bien, juste là, on le voit très bien qu'il y a une porte. Hop, qui est juste là. Faut peut-être qu'on arrête de faire couler l'eau qui est en haut. Du coup, on doit trouver une solution pour faire arrêter, pour faire en sorte que l'eau ne coule plus. Peut-être, tout simplement. Ah, alors attendez. On va quand même aller voir ici. On va aller voir ici pour une chose. C'est que ici, je crois que j'avais oublié quelque chose, si je me rappelle bien. Oui, voilà, y a un passage pour aller en haut et pour aller là après. On va y aller, on va y aller. On va aller tout en haut. Ah, ça me rappelle de... Bah du coup, on va revoir un petit peu, les amis, quelques endroits qu'on avait déjà explorés précédemment dans les épisodes précédents. Et donc, ça va nous rappeler des souvenirs. Voilà. Allez! Bon. On va rentrer ici. C'était, je crois que c'est, voilà, c'était juste en haut. J'avais oublié de prendre un cube qui était juste là. Donc, on va le prendre maintenant. Ouais, mais alors si je pouvais... Ah oui, j'avais oublié. Comment marchait le système? Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ok, j'ai compris. Alors là, on n'oublie pas comment marche le système. Regardez, c'est comme ceci. On lance la bombe, ça explose. Et là, hop! On tourne, on tourne, on tourne, on continue à tourner, hop, 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 on tourne bien, et voilà, il y a un cube juste en haut, il nous suffit juste maintenant d'aller le prendre, bah voilà, c'est plutôt cool. Et c'est comme ça en fait que les amis, on va tout simplement trouver plein de, pas mal de cubes, en plus qu'on n'avait pas encore débloqué. C'est quoi là? Ah bah voilà, encore un endroit qu'on n'avait pas débloqué, bah très bien. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la bombe. Est-ce que vous pensez qu'on peut sauter? On va essayer. Non, ça a rien fait du tout. Bon, c'est pas grave. Ok, on va retenter. Ah, ça a explosé! Ok, très bien. Donc, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va... Je... Me précipite peut-être un peu trop vite. Ben voilà, on a réussi. C'était point compliqué. Enfin, j'espère. Oups. Ah voilà. Très bien. Ok. Est-ce qu'on peut aller plus en haut ou pas? À voir, je pense pas. Bah, du coup, on va aller en bas et on va ouvrir ce petit coffre. Que nous n'avons point encore ouvert. Par où il s'ouvre? Ah oui, par là. Ok, et au passage, il y a un fragment de cube en bas. Hein. Faut qu'on aille le prendre. Bah, on a une clé, c'est plutôt pas mal. Ça va nous servir, à mon avis, hein, pour la suite de l'aventure, à ne pas négliger, surtout. Là, bah là, c'est easy peasy, hein, comme on dit chez moi. Allez, allez, allez. Et hop, bah voilà. Facile, eh, franchement, tranquille. Tranquille, tranquille. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, on a tout fait. Petit portail, d'accord. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut vraiment faire très attention à la légende. Là, voilà. Vous voyez, c'est en tout petit. Il y a une espèce de petit portail. Il est marqué en légende petit portail. Donc, ça veut dire que maintenant, quand on va retourner... Je vais vous montrer. Quand on va retourner ici, logiquement, je vais vous montrer, voilà. Il y a un petit portail, quelque part. Il y a un petit portail. On peut y accéder. Après, où je ne sais pas. Yep, on va essayer de remonter tout en haut, hein. Peut-être ça peut nous aider. Voilà. Et ce jeu est vraiment, au final, c'est vraiment la suite du jeu va vraiment être assez détente, des épisodes assez détente et assez relax, assez relaxant. Ok, alors est-ce que j'ai vraiment envie de retourner vers là-bas? Je sais pas, bah j'ai pas grand chose d'autre à faire parce que là je j'arrive vraiment pas à trouver les autres trucs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce portail pour se téléporter. Si j'ai le droit. Oui voilà. On a retrouvé quand même deux cubes et. Non, deux, trois cubes et une clé. Ce qui est plutôt cool. Bon effectivement ça va aller beaucoup moins vite qu'avant parce que le rythme d'avant, on était libre de faire ce qu'on voulait et donc on pouvait prendre dans n'importe quel ordre les cubes, alors que là, bah, on va devoir prendre vraiment le... Ce qui reste, j'ai envie de vous dire. Ok, donc là, ça nous mène ici. Ça nous mène en haut. Bah, allez, on va aller en haut.
Soyons fous. Alors j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ces décors-là, le décor dans lequel on se trouve, je le trouve vraiment cool. Malgré qu'en fond, par contre, il y a un petit défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est pas grave. Mais en fond, on a une petite nuisance sonore qui fait tout 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 tout, et je trouve ça assez énervant. Je sais pas si vous l'entendez au final. Moi je l'entends parce que j'ai le casque à fond et tout, mais voilà, c'est pas... Non! C'est pas non plus très grave. Bon, allez, on va continuer. On va monter là, hop. Oh! Appelez-moi le magicien. Je mérite ce titre. Ah, je crois que c'est là qu'il y a la cabane. Justement. Il y a quand même pas mal d'éléments, je n'avais pas encore débloqué ici. Alors, est-ce qu'on prend la cabane ou est-ce qu'avant on va vers là? Je serais bien parti pour prendre la cabane, ouais. Oh, allez, on va faire ça, on va prendre la cabane. Alors, pourquoi on fait pour y accéder? Aïe, voilà, comme ceci. Moi, je veux juste aller en haut, hein, si c'est possible. Est-ce que c'est trop demandé? A priori, oui. D'accord, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai très bien compris. Qu'est-ce qu'il y a encore? Appuie sur B. Bah oui, vas-y. J'appuie sur B. Je me demande ce que c'est. Bah oui, mais tu te demandes ce que c'est depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le début de l'aventure, je veux dire, voilà. Il y a un hibou juste en haut, hein, au passage, pour ceux qui veulent. Je sais pas si ça sert vraiment. Allez, on va prendre la cabane. Donc, la cabane qui est plutôt de type magique. Puisqu'au final, on y entre comme ceci. Et on y sort. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, vous, une maison où vous arrivez dans la vie réelle, vous êtes à Paris, vous entrez dans une maison, vous ressortez, hop, vous êtes à New York. C'est plutôt cool, c'est de la téléportation. Paris-New York, voilà, il n'y a même pas d'heure d'avion ni rien, on entre et on sort dans une maison. C'est plutôt cool. Ok, donc là, il n'y a absolument rien. On s'est fait douiller. Ah, quoique, attendez. Ah bah si, ça nous mène ici. Donc bon, j'ai rien dit, c'est moi qui dis de la merde. Très bien. Bon, alors on va continuer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a qui nous attend tout simplement? Ok, il y a rien d'ici. Hop. Ah, je m'en rappelle. Rappelez-vous de cet endroit. Oh, il y a un hibou géant. Je crois qu'il faut que je passe par là. Il me semble qu'il faut que je passe par là. Parce qu'on avait une affaire de hibou hein, dans le dernier épisode ou dans l'épisode d'avant, je ne sais plus. Il y avait une affaire de hibou. Les hiboux me font peur, mais sans deck. Il faut que il y avait un truc avec le hibou. Est-ce que je dois tourner jusqu'à l'infini ou comment ça se passe? Moi, je comprends pas les affaires de hibou au final. Regardez, là, plus je tourne et plus la musique s'accélère. Et là, il y a forcément quelque chose en bas. Ça ne peut pas être une de simple muret comme ça. Ok, il y a absolument rien, d'accord. Alors, il y a sûrement un mystère avec ces hiboux et ça m'énerve parce que je ne le connais absolument pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me donner des conseils hein, en commentaire. Et j'arrive vraiment pas à trouver ce mystère au final. Bah alors là je peux pas faire grand chose. Il y a quand même des salles que j'ai pas encore explorées. Donc à voir. Là j'y suis déjà allé a priori. Ok bon, allez, on va passer par là. Donc on va essayer de monter au sommet hein. Au sommet. Ah! C'est la mort. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Bon, allez hop. On va continuer. Non, c'est le suicide! Please! Alors là, je crois que je connais la solution. Voilà, on va essayer de monter juste ici. Regardez, en fait, les petites gouttes ricochent. Ça, on l'avait dit en commentaire. Les petites gouttes ricochent au final sur les cubes. Donc, on arrive un peu à voir les cubes invisibles. Oui, on arrive à voir des cubes invisibles. Nous sommes quand même extraordinaires, chers amis. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller comment? Bien mystérieux tout ça, bien mystérieux. D'accord, hop, une, deux. Donc là, on a un peu l'impression de voler. Et dire que là, ce que je suis en train de faire,
C'est un truc que j'ai fait, je crois, à partir du deuxième épisode. Donc voilà, quand on commence le jeu, on se dit que c'est mignon et tout ça, et qu'on arrive sur des petites énigmes comme ça dès le deuxième épisode, bah plutôt pas mal. C'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire un truc, toi? Non, non, tu veux rien me dire. Ouais, c'est pas grave. On a notre cube là qui essaye de nous aider. Ça nous menait où ça? Vers là. Ah, pourquoi pas, hein, mais bon, il n'y avait pas une autre entrée. Il y avait quelque chose en haut. On va essayer d'y aller. Ok. Oui, en haut, il y avait... Bah voilà, il y a quelque chose juste en haut. Wop, please. Alors, j'ai complètement oublié d'ouvrir cette porte parce qu'elle était quand même facile d'accès. Regardez. Elle est juste là. Oh, il y a une tête de mort par-dessus. Oulala. Allez, nous sommes partis. Qu'est-ce qui nous attend? C'est pas bon signe, hein. Il y a des têtes de mort. Ah, par contre, il y a des cubes. C'est ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Des fois, j'ai des bugs, je dis, c'est ça, c'est cool. J'arrive plus à parler, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Allez! Non! Vous ne pouvez me faire ça! Moi qui... What? Mais là, je comprends pas. Ça, c'est vraiment une énigme. Il va falloir vraiment que je me renseigne au final parce que ça pourrait vraiment me servir pour les prochains épisodes. C'est une énigme. C'est une énigme. Regardez-moi ces têtes. Ces têtes de squelettes qui me suivent. Cette tête de squelette qui me suit. Yop! Ok. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Regardez-moi. Regardez-moi ça, regardez. Hop, tout en haut. Je crois que je l'ai pas vu, hein, mais je l'ai très bien vu. Tout en haut de la tête de squelette, il y a une espèce de forme. Et je ne sais pas ce que ça signifie une fois de plus. Il y a une entrée secrète une fois de plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je peux absolument rien faire. Bon, je peux pas... J'ai une artefact, je sais même pas à quoi elle sert. Très bien, on reste là. Et ouais, je peux rien faire d'autre, donc bon, c'est bien gentil tout ça, mais voilà, donc pour l'instant, je vais abandonner ça. Et on va continuer par la suite. Donc, nous sommes ici. On va devoir aller, voilà, à la porte qui est juste en bas au final. Donc on va y aller. Par où c'est? Ok, c'est à côté. Un petit saut. Allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, j'espère qu'on va avoir des fragments. Ça pourrait nous aider. Là, il y a un petit portail à côté. Donc bon, a priori, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici que je n'ai pas encore exploré. Ah, tenez, en haut. Une porte fermée à clé, et j'ai une clé, ça tombe bien. Non! Attends, j'ai vraiment que des malheurs sur ce jeu. niveau plateforme, niveau énigme et tout. Niveau des énigmes, je suis pas très fort. Va falloir que je m'améliore. Bon, allez, hop, on va rentrer dedans. Oh là là. Vous êtes sérieux? Ouais. Au final, j'ai l'impression que je me suis un peu fait douiller. J'ai gâché une clé. Attendez, attendez. Ça me rappelle un truc, ça, en fait. Ça me rappelle les parchemins. Parce que les parchemins, faut bien les utiliser à un moment ou à un autre. Alors, C, U. D'accord, très bien. Il y a un truc à faire avec les parchemins. Merde. Bah très bien. Ah ok, d'accord, ça me téléporte. Cela me téléporte, très bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et je suis censé faire quoi, moi? Je ne sais pas. C'est vraiment super dur, quoi. Ok, ok. Bon. Oui, ça nous aide pas tellement, donc on va sortir. Nous allons sortir. Attendez, que je regarde où nous sommes quand même. Quand nous sommes ici, ben nous allons sortir d'ici. Et nous allons aller. Ah bah là, il y a une autre
porte à déverrouiller dans l'ancien biome, si je peux appeler ça un biome. Ok. Bon, faut peut-être que j'aille en haut au final. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Donc je vais essayer d'aller en haut. Hop, voilà. Et je vois quand même que le jeu, vraiment, hein, je vous le dis sincèrement, le jeu devient de plus en plus complexe. Et de plus en plus difficile. Enfin, en tout cas, c'est ce que je retrouve personnellement. Ok. Et moi, je suis censé y aller comment, quoi? D'accord. Faut que j'aille là-bas. D'accord, je crois que j'ai trouvé. Faut qu'on aille, voilà, juste ici. Ouais, mais on a déjà exploré cette partie-là au final. Enfin, là, c'est ce que je suis en train de faire. On l'a déjà exploré, le coffre. Ah, mais en bas, il y a une. Voilà, en bas, il y a une porte. Et au début, comme j'étais dans la précipitation, j'ai pas ouvert toutes les portes. Donc là, je vais pouvoir ouvrir cette porte-là. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bah, je pense que je vais explorer un petit peu cette partie. Après, j'arrêterai l'épisode ici. Par contre, ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose ici. Ok, bah bien. Et la dilemme, ah oui, voilà, j'allais dire dilemme parce que comment on monte en haut? Mais j'ai trouvé. En fait, non, j'ai pas trouvé. Non, pas du tout. Et bah voilà. Et on en a un de plus. Bah ok, très bien. Nous en avons en plus, il n'y a rien d'autre à voir ici. On va faire un dernier petit point sur la carte avant de s'en aller, je pense. Vas-y, saute et ne meurs pas. Oh, si je suis mort. C'est nul. Je suis mort. Oh là là. Alors, ce que je comprends vraiment pas, hein, sérieusement les amis, c'est que regardez, 3, 2, 1. En bas, là en bas, il y a quelqu'un. Quand il y a un éclair, on aperçoit une silhouette. Et ça, je comprends vraiment pas cette énigme-là. Va falloir vraiment que je cherche sur Internet au final, parce que sinon, je peux y passer quand même pas mal de temps, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Bon, on va faire un dernier petit point, les amis. Avant de se quitter, regardez, je vais vous montrer. On va se quitter juste là. Donc, nous avons actuellement, à l'heure actuelle, un artefact. Une case vide. Nous avons 18 fragments de cubes ainsi que 3, non, 18 cubes ainsi que 3 fragments de cubes, ainsi que 2 clés qui peuvent nous aider pour la suite. Et nous avons des cartes au trésor et des cartes au trésor. Et puis voilà. Bon, voilà où nous en sommes. Et pour finir sur la carte, bah voilà, on est là, on a fait toute la zone. Là, il y a un dilemme qu'on ne connaît pas encore. Là aussi, le coup du hibou qui tourne et de la tête de mort qui tourne aussi, c'est un vrai dilemme. Je ne sais pas, je ne sais, enfin un dilemme, un vrai, une vraie enquête à résoudre au final, je dirais. Donc bon, il y a quand même pas mal de choses à faire et bon là, voilà, on va y retourner dans le prochain épisode. Ah, ainsi qu'à cet endroit-là, à cette bibliothèque qui nous avait bien intrigué dans les premiers épisodes. Bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, c'était Black Paradise. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play. Salut tout le monde. Ciao!